Et salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la ville moderne, j'espère que vous avez la forme. Et ben moi ça va super, aujourd'hui on va aménager la salle de muscu qu'on a fait il y a deux épisodes il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai déjà commencé, enfin pas grand chose, n'inquiétez pas, j'ai juste mis le sol. Donc ici en argile blanche, oui c'est ça. Ici comme on voyait la terre du dessus, j'ai fait un petit décor avec des dalles et j'ai mis des six lanternes au milieu pour faire un peu de lumière et j'ai fait mes deux vestiaires hommes-femmes. Donc voilà qu'ici on aura les femmes et ici les hommes. Donc la porte est plus décalée ici parce que le bâtiment remonte après tout simplement. Ici on aura notre salle, donc j'ai fait un sol en hardened clay grise. Et j'ai repris le même principe pour l'éclairage avec des dalles de sapin et des six lanternes. Donc ça nous fait un petit éclairage un peu assez sympa, assez moderne. Voilà, tout simplement. Donc je vais aménager ça tout seul. Je vais vous expliquer après, vous inquiétez pas, comment j'ai fait. Je vais juste regarder quelque chose. On va prendre des Enrods. Je vais voir si ça marche. J'ai généré avec WorldEdit des boulets de canon. Et normalement... Ah bien sûr, faut que je le mette mal. Hop. Ouais, ça fait... Non, ça va pas. Donc, il va falloir que je génère une Enrod avec WorldEdit. Normalement, ça devrait nous faire une halter, si je dis pas de bêtises. Si l'Enrod se met bien, donc je verrai ça. Bon bah les amis, je vais aménager la salle et on se retrouve juste après. A tout de suite. Ok, alors c'est bon, travail terminé. Donc j'ai mis une petite demi-heure pour faire cette décoration. Je suis assez content du résultat, je vais vous montrer tout ça. Je vais vous expliquer aussi comment j'ai fait. Parce que alors j'en ai marre en ce moment, j'arrête pas de me faire insulter sur les vidéos. Parce que j'explique mal. Parce que voilà, ah tu fais des tutos mais t'expliques pas. Alors je dis à ces personnes de lire le titre de la vidéo. La ville moderne, ce n'est pas des tutoriels. Voilà, je le répète encore un coup pour les personnes qui ne le savent toujours pas. Je vous donne les mesures parce que bah, tout le monde veut refaire les bâtiments, donc je les donne. Mais m'insultez pas parce que ce n'est pas un tutoriel. Voilà, tout simplement. Alors, en petite entrée ici, on a bah, l'accueil pour s'inscrire à la salle. Donc ici, on a ici un distributeur de boissons qu'on fait avec deux bouts de verre. Et en dessous des pancartes ici pour faire comme si c'était la trappe où votre boisson arrive. Un petit canapé pour se détendre, s'asseoir ou patienter. Les vestiaires, donc femmes et hommes, on va aller voir hommes. Hop, très basique, les mêmes que j'avais fait pour la piscine municipale pour ceux qui se souviennent. Des trappes pour faire les bancs. Ça pour faire des casiers, c'est des tables de craft. Et enfin des douches, tout ce qui est de plus banal avec un petit peu d'eau en dessous pour faire les grilles d'évacuation. Et on passe tout de suite au vif du sujet, attention les yeux. Hop, voilà notre salle donc de muscu. Alors, plusieurs choses. Ces haltères là, ici, ce n'est pas moi qui ai trouvé le design. C'est Styrix Gaming, je crois. Ou ouais, quelque chose comme ça, mais en tout cas, ce n'est pas moi. Donc, ne m'applaudissez pas, voilà. C'est super sympa, ça fait vraiment super haltère. Donc voilà, ensuite ici, voilà, on a des machines. Alors, les machines, moi je sais ce que c'est, parce que je les connais par cœur. Celle-ci, vous savez, vous asseyez et vous tirez de chaque côté derrière votre dos pour travailler le dos. Donc voilà, j'ai fait ça comme ça, les poids ici avec l'argile noire, le siège où on s'assoit avec un escalier, les poignées avec des iron bars et ensuite des barrières en bois de bouleau où ça fait 4 de haut. Ici on a une poulie vis-à-vis, ce qu'on appelle, en fait on se met au milieu, on attrape ce bout là avec la main droite, celui-ci avec la main gauche, et on contracte les biceps tout simplement, et ces poids là montent vers le haut quand on contracte avec les biceps, et ça fait travailler les biceps, voilà. Ici on a une grosse barre d'haltérophilie, bon du coup j'ai mis un bloc carrément cette fois-ci. Ici on a le fameux banc de développé couché pour travailler les pectoraux, vous vous couchez, vous décrochez la barre et vous la descendez, la remontez, ainsi de suite. J'ai fait ça avec des escaliers, comme un comme ceci. Hop, un autre. Je vais y arriver dans ce sens. Voilà.
et un autre dans ce sens. Et ça vous fait un banc de développé couché, des barrières de chaque côté, des n-rods et notre fameuse petite boule qui est générée avec World Edit. Donc c'est un boulet de canon de base, mais moi j'aime bien le mettre. C'est pas que j'aime bien le mettre, c'est que c'est quand même plus joli comme ça. Voilà. Ceux qui n'ont pas World Edit, vous pouvez mettre des blocs d'argile, ça revient exactement au même, c'est juste 10 fois plus gros. Voilà, tout simplement. Ici, on a des porte-poids, donc comme c'est des têtes qui sont transformées en poids, bah, on peut le mettre sur le porte-armure, ça fait un porte-poids. J'en ai mis deux au sol comme ça qui traînent. En salle de musculation, vous ne verrez jamais des poids en train de traîner au sol comme ça. Normalement, c'est toujours bien rangé. Ici, on a les vitres, donc, qui est faite avec de la glace, pas de la packet ice parce qu'elle n'est pas transparente. Donc, vous savez, les miroirs, hein, il y en a partout dans les salles de musculation pour se voir dedans et voir un peu ce qu'on fait. Ici, on a la presse à jambes, donc très très mal faite, je l'avoue, mais il n'y a pas d'autre design. Vous savez, vous vous couchez, vous êtes un peu vers le bas et vous poussez vers le haut avec vos jambes. Je regarde qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, mais non, c'est trop gros, hein, on peut pas faire mieux, voilà, tout simplement. Et ici, pour finir, on a nos petits tapis de course avec tous les boutons qui ont jarté. Je me demande bien pourquoi. C'est une très bonne question. D'accord. Alors avec World Edit, on peut mettre des boutons sur la face de l'escalier, mais sans World Edit, on ne peut pas les mettre. D'accord, bon, c'est pas grave. On va laisser ça comme ça. Vous allez me dire, tu peux mettre des cadres, vous avez pas tort. Mais les cadres font bugger, donc j'évite d'en mettre, parce que si je mets des cadres dans tous mes bâtiments de la ville moderne, au bout d'un moment, on est en train de perdre 200 FPS. Donc voilà, c'est pas le but. On va remettre le beau temps. Weather clear. Hop, parfait. Bon bah écoutez les amis, c'est la fin de l'aménagement de la salle. J'espère qu'il vous plaît. On va mettre les shaders. Alors oui, c'est très moche. Hein. C'est très très moche même. Voilà, on va sortir. Voir un peu ce que ça donne. Hop, voilà. Donc notre salle de muscu est terminée. Je ferai un peu le devant tout seul. J'espère que cet épisode vous aura plu. Désolé s'il est un peu court. C'est pas que je bâcle, mais vous savez qu'il y a le bac qui approche. Et voilà. J'essaie de vous faire des vidéos en mettant le moins de temps possible. C'est pas que je bâcle, hein, mais dès que le bac sera passé, on se rattrapera. C'est promis. Donc voilà, n'oubliez pas de mettre un j'aime si ça vous a plu, un commentaire. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Et ciao les amis.